le polymage a aujourd'hui 3 ans. Notre principal outil est un fonds qui s'appelle le fonds expérience interactive avec 3 thématiques dont une qui est Serious Game qui correspond à la dynamique de la CCI Grand Hainaut. La seconde c'est culture et technologie et la troisième c'est audiovisuel et l'innovation audiovisuelle cross-média préparer la TV connectée. Notre donneur d'ordre principal c'est la région et on a bien réussi en 3 ans à faire que l'ensemble des dynamiques locales qui étaient faites sur les Valenciennois, sur Arambert ou sur Lille, créer une dynamique, une synergie globale avec une bonne répartition thématique, donc avec Serious Game qui est plutôt à... qui est piloté principalement par la CCI Grand Hainaut. L'audiovisuel cross-média serait plutôt à Rambert et le reste à Lille. L'idée c'est déjà en interne au pôle on est tout petit, hein, mais d'avoir des gens de compétences variées qui justement arrivent à faire que on ait une bonne synergie globale. Et le développement, il est à cheval sur tout. On voit bien que, par exemple, c'est important pour le jeu vidéo, c'est important d'avoir du cinéma d'animation puissant, parce que les graphistes sont les mêmes, etc. De la même manière, on se rend compte que d'avoir un monde culturel avec des artistes interactifs, c'est ces artistes qu'on retrouve, qui impulsent des idées nouvelles, qui arrivent dans les boîtes de jeux. Vous voyez, c'est la dynamique globale, l'industrie créative, avec toutes ces pattes que je vous ai décrites avant, qui fait que la mayonnaise elle prend. Et effectivement, on a des beaux succès, comme l'arrivée de KTM. On a eu un Equipex sur Lille. Je veux dire, dans la culture et technologie, on commence à être vraiment reconnu. Enfin, le succès vient qu'on a, je pense, trouvé le bon périmètre, industrie créative, pour augmenter la synergie. Voilà. C'est-à-dire que faire que tous les points forts de chacun, on avait quand même plein de trucs très beaux, et que l'ensemble des trucs beaux qu'on avait, maintenant, travaillent bien de manière cohérente pour que ce soit encore plus beau. Voilà.